Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons dans cette deuxième partie du tuto boîte cadeau. Donc nous allons faire maintenant le mini qui va à l'intérieur de notre petite boîte. Vous aurez besoin d'une feuille de cardstock 21 par 29 7, soit format A4. Là j'ai pris une des blocs de cardstock qu'on trouve chez Action, légèrement texturée. Puis d'une feuille de papier motif de votre choix. Celui-ci vient de ce bloc de cardstock paillettes, pareil de chez notre ami Action. Vous aurez ensuite besoin de petits éléments pour la décoration, mais on verra ça au fur et à mesure. Bien sûr, massicot, colle, plioir, ciseaux. Et c'est parti. Nous allons prendre la feuille de cardstock de 21 par 29 7. Et nous allons découper une bande de 29,7 par 8,5. Donc 8,5. Nous allons marquer le pli tous les 8,5 cm. Et replier en accordéon. Nous allons prendre ensuite la feuille de cardstock à motif et faire deux carrés de 8,5 par 8,5. Donc avec ceci, nous allons faire le petit mini qui sera à l'intérieur. Le petit rabat nous servira à faire une pochette sur ce côté et nous coulerons complètement l'autre côté, ou si vous le souhaitez vous pouvez raccourcir de 4 cm et faire une deuxième pochette. C'est ce que je vais faire. Donc je raccourcis de 4 cm comme ça j'obtiens ceci et je vais venir coller en mettant de la colle que sur les trois côtés afin de créer une petite pochette ici et ici. Faites attention que le motif soit tant qu'à faire dans le même sens devant et derrière. La base de notre mini est terminée. On va maintenant le décorer un petit peu. Donc pour décorer ce petit mini, je vais utiliser des stickers transparents que j'ai trouvé chez Action, deux bandes de 2 cm par 8,5 du même papier qu'on a utilisé, du ruban rouge, le cercle que j'ai récupéré de la précédente découpe qu'on a faite pour la boîte et un petit motif en bois.
Donc j'avais préparé ces petits tags par avance. Donc celui-ci, c'est un papier ordinaire d'imprimante embossé sur lequel, avec un logiciel de traitement de texte ordinaire, j'ai écrit Joyeux Noël. Donc voilà pour notre mini-album. Est terminé. J'ai rajouté sur le couvercle un peu de pâte neige de structure pailletée et des bandes qui font 2 cm par 9 sur chaque côté qui rappellent notre mini. À l'intérieur, j'ai mis des chocolats parce que je vais probablement m'en servir pour envoyer mes vœux et quelques photos des enfants à des tantes qui sont un petit peu éloigné de chez nous. Et donc le mini, donc si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. À bientôt.